Bonjour et bienvenue dans l'entre du cafard pour un nouvel épisode de notre Let's Play StarCraft 2 Heart of the Swarm. Dans le dernier épisode, Kerrigan a appris la mort de Jim Raynor et elle a décidé, bien évidemment, de se venger de Mensk en utilisant tous les pouvoirs Zerg à sa disposition. On va donc choisir pour notre prochaine mission entre la planète Kaldir et la planète Char. Les transmissions du Dominion intercepté indiquent que les Saint-Zerg se seraient divisés en factions. Une mère découvée appelée Nafash a emmené sa lignée sur la lune gelée de Kaldir. Les derniers rapports font état d'une présence Protoss. Il est hautement probable que Nafash soit en conflit avec les Protoss pour le contrôle de Kaldir. On estime que sa couvée est composée d'organismes Zerg hautement évolués et dangereux. On va faire ça d'abord. On va faire Kaldir, je le sens bien. Je sens bien des cafards et des hydraïsques, ça nous aidera bien pour notre combat. Et en plus, j'ai pas envie qu'on aille sur Char tout de suite. On sait que sur Char, il y a une importante force du Dominion, qui a encore le général Warfield. On va attendre un petit peu. On va se préparer. C'est parti! En plus, ça a l'air d'être une jolie planète. Avec un peu de chance, on y verra des tonnes. Oh, un Léviathan. Qu'il est mignon. Alerte. Organisme Zerg détecté. T'es au milieu d'un organisme Zerg. Ils m'accepteront comme leur reine. Ou je les tuerai un par un jusqu'à ce qu'ils le fassent. Tu es quoi? Je suis Izsha. Votre Majesté avait pour habitude de conserver toutes ses idées, ses pensées et ses plans en mon sein. Vous ne vous rappelez pas? Oui, je me souviens de toi. Mais le plus important, c'est que toi, tu te souviennes de moi. Vous êtes la reine des lames. J'obéis. Ah, impeccable. Parfait. Convoque les saints. Et prépare le départ pour Coral. Les saints est en plein désarroi et ne répondra pas à votre appel. La plupart des ergues de Kaldir sont sous les ordres de la mère découvée Nafash. Elle cherche à créer son propre essaim. Tant qu'elle vivra, l'essaim sera divisé. Alors il ne le sera plus pour longtemps. Dépose-nous à la surface. Donc voilà le Léviathan, le vaisseau qui remplace l'Hyperion pour la campagne Zerg. Hein. C'est là qu'on va faire du blabla, tout ça. Alors, Isha. Parle-moi de ce Léviathan. C'est l'organisme à partir duquel vous dirigez les saints. Et nous sommes dans son centre nerveux. Et il peut m'emmener sur le monde de mon choix? Bien sûr, ma reine. Mais nous ne sommes que peu nombreux. Avant de conquérir d'autres mondes, vous pourriez souhaiter récupérer vos troupes ici même, sur Kaldir. Laisse-moi m'occuper de la stratégie. Qu'est-ce que je peux faire d'autre avec ce Léviathan? Vous pouvez faire évoluer et améliorer votre essaim dans la fosse d'évolution. La créature Abatture peut vous y aider. Abatture, oui! J'aime ce type, j'aime ce type. On va y parler tout de suite. Couveuse d'abord. Nos éclaireurs nous rapportent que Nafash a établi une ruche dans cette plaine, mais l'a abandonnée peu de temps après. Elle s'est rendue dans ces vallées gelées. Ça doit être la position des Protoss. Ok. Et encore plus désolé que Char. Juste une fois, j'aimerais aller dans un endroit agréable. Ah bah non, ce serait moins marrant. J'aurais beaucoup de comptes à rendre. Une fois que Mengsk sera mort. Allez, fosse d'évolution. Bonjour, mon grand ami Abatture. Abatture, rôle évolution de l'essaim, modification des souches et des séquences. Au service du maître esprit, puis au service de la reine des lames. Maintenant à votre service. Je suis la reine des lames. Différente. Examen des souches génétiques.
Reine des lames efficace, qualité Zerg ancienne, influence Terran mineure. Vous, infecté avec plus de matière Terran, membre préhensile rudimentaire, amélioration possible, restitution ultérieure, meilleure. Ne me touche pas. Oh, mais il voulait améliorer tes bras. Évolution de l'essaim, recherche de perfection en toutes choses, travail dans la fosse d'évolution, examen possible sur place. Ah, Abatture. Je t'aime, Abatture, on se comprend tellement. Évolution des unités possibles n'importe quand. Initiation avec Zergling. Coucou, mon petit Gigling. Possibilité d'amélioration de l'organisme. 3 mutations distinctes disponibles. Choix de la mutation. Activation au sein de la créature. Amélioration du potentiel au combat. Choix de la mutation non permanent. Possibilité d'altération. Ok, donc ça c'est le fonctionnement de Heart of the Swarm. Chaque unité peut avoir une parmi 3 améliorations qu'on peut changer entre chaque mission, mais qui sont incompatibles. C'est l'une des 3. Donc là on a le choix entre carapace renforcée, plus 10 points de vie, ce qui est montré à 45. Soit vitesse d'attaque augmentée de 50%. Hein, ce qui est assez intéressant. Soit vitesse de déplacement augmentée de 60%. C'est une excellente question là. Je pense pas qu'on va prendre les 10 PV en plus, ça me semble pas utile. Là, la question c'est est-ce qu'on prend plus de vitesse d'attaque ou plus de vitesse de déplacement. Je pense que la vitesse de déplacement est plus importante pour l'instant. Classiquement on a besoin de Zerling qui vont vite. Et là pour l'instant ils vont pas assez vite. La vitesse d'attaque, ça serait... Nécessité de l'allergie des Zerglings au jus de citron. Talon d'Achille de la souche. Ceci est une référence à un des messages de la... Comment dire... dans les news de Wings of Liberty, où on nous disait que les Zerglings seraient allergiques au jus de citron. Et ce n'est pas une légende, c'est bien vrai. Une petite blagounette. Donc on va prendre la vitesse de déplacement. Abatture, t'as des trucs à dire ? Difficulté de l'essaim sur cette lune... Je pensais que tu avais rendu mes ergues plus forts que ça. Kaldir, froid comme espace profond. Hormis Léviathan, spécialisation de l'essaim pour ce type de froid superflu. Tu te cherches des excuses ? Création d'adaptation dispensable, gaspillage, complexité nuisible, auparavant superflu, maintenant essentiel. Recherche de faune locale, essence utile pour adaptation de l'essaim. Fais-le. Oui, oui. Petite lune, très peu d'essence locale. On n'a pas de raison de développer des trucs aussi spécialisés. C'est un gaspillage de ressources. La fâche a envoyé combattre les Protoss dans ces vallées gelées. Impossible de savoir si elle se joindra à vous de son plein gré. On verra. Donc apparemment, Kerrigan a choisi de créer de nouveaux organismes pour remplacer les Cérébrates, qui sont donc les Broodmother, en français c'est les mères découvées, quelque chose comme ça, et qui ont l'air assez indépendantes, qui ont l'air d'avoir envie de contrôler les seins maintenant que Kerrigan est pas morte, mais est redevenue humaine. Donc c'est assez intéressant comme choix. Je me demande pourquoi. Enfin bon, lançons la mission, on va récupérer les cafards. Le cafard est une unité d'assaut qui se régénère en étant enfoui, qui attaque les cibles terrestres et qui est assez résistant. Ça rentre en très bonne compo avec l'Hydralisque. On a l'Hydralisque qui fait du DPS derrière et le cafard qui tank devant. Donc pour en revenir à l'évolution, oui, on va pas adapter tous les ergs du monde au froid, tout ça pour une planète de merde. C'est un gaspillage de ressources énorme. Mais il aurait quand même pu prévoir une souche adaptée à ce genre de truc. Allons-y! Cette lune connaît des poches de froid intense appelées tempête de gel éclair. Tempête de gel éclair. Ces tempêtes viennent droit sur nous. Flash freeze en anglais. Elle quand même va plus sympa. La température si rapidement que quasiment toute l'énergie thermique sera perdue. La tempête va passer rapidement, mais tant qu'elle est là, vos troupes seront gelées sur place. Déjà, t'as de la chance qu'elles meurent pas. Je sens des créatures indigènes à proximité. Leurs matriarches ont une essence puissante.
Suffisamment pour nous aider à nous adapter à ce froid. Super. Parlez vite. Allez, Kerrigan, c'est parti. Personne ne peut me faire obstacle. Bien, bute-moi ça. Ouh, il a pris cher, oui. Mais attends, t'as pas ton fusil ? Je dois trouver une matriarche sur Sadon et obtenir son essence. Attention aux crevasses. Pourquoi t'as pas ton fusil ? Oui. Allons-y. Ce Zerg est sauvage. Il n'est sous le contrôle d'aucune entité supérieure. C'est pas normal. Il ne repose jamais. Hop là ! Qu'y a-t-il ? L'essaim est affamé. Personne. Un autre cafard sauvage ? Ce n'est pas normal. C'est mes copains les cafards ! Oui ? Reculez. Et c'est Kerrigan tanké. Qu'y a-t-il maintenant ? On l'a fondu. Le gel est clair et proche. Il me suffit de trouver une matriarche sur Sadon. Bon bah vas-y, gel. Qu'on puisse passer à autre chose. Nous allons manquer de temps. Cafard. Ah merde, on a joué. Le gel éclair a eu lieu. Vos troupes sont gelées. C'est sur Sadon. Direction d'une matriarche. Essence forte. Ah, ils vont se préparer à nous attaquer. Assimilation de l'essence, immunisation de l'essaim contre le gel éclair. Attention. Cassez-vous. La tempête de gel éclair est en train de disparaître. Repris les Zerglings. Laissez Kerrigan tanker. Ah, ça a haut. Butez là. Personne ne peut me faire obstacle. Assimilation de l'essence. Résistance de l'essaim au gel éclair. Cool. Excellent. Et maintenant, je peux sentir la présence de la colonie de Naffash, tout près. Ce monde m'appartient. Capacité de s'enfouir pour les cafards blessés. Récupération. Allez, on fera ça plus tard, c'est pas le moment. Tout est joué, regardez-moi ça, c'est tout triste. La couvée de Naffash. Les protos ont dû tous les tuer. Je réveillerai cette colonie pour l'essaim. Allez, un petit coup de thérapie génique là. Hop là! Les protos ont senti le réveil. Ils sont conscients de notre présence. Tu m'étonnes. La reine des lames, mes frêles et humaines. Que vous est-il arrivé? Tu peux leur dire? Des protos. Je me demandais quand vous alliez vous montrer. Tu peux leur dire, dis-leur. Nous devons informer Shaquas. Ils enverront l'armada dorée. Et vous détruiront. Vas-y, dis-leur. Isha, dis-moi que les protos sont hors de portée de Shaquas. C'est le cas, ma reine. Néanmoins, les protos possèdent des flèches de lien psy qui amplifient leur communication mentale. Alors nous allons détruire ces flèches avant que les protos ne les activent. Ah, oh, c'est peut-être pas la peine de taper des protos. Là, tu leur dis simplement, coucou, je me présente, on s'est jamais rencontrés, Sarah Kerrigan. J'étais contrôlé par les Zergs, j'étais la reine des âmes, et maintenant je suis libre. Essence de matriarche proche. Collecte, amélioration de l'efficacité de l'essaim au cours du gel éclair. J'aime un essaim efficace. Si l'occasion se présente, j'irai traquer quelques matriarches. Ouais, il y a du totos là. Il y a du totos. Tiens, vas-y, va buter des trucs, toi. Salut. M'appartient. Finissons-en. Non mais je déconne, hein, c'est pas la peine. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Stop. J'ai dit laissez-moi. Personne ne peut faire obstacle. Protos, ralentissez-la. Allez l'attaquer. Ah non hein. Pas d'attaque. Les attaques c'est interdit. Va te coucher toi. Va te soigner sous le sol. Alors un peu plus de gaz s'il vous plaît. Protos en approche de la colonie. Non. S'il vous plaît, on peut pas rester. En approche. Hop. Ils seront vulnérables jusqu'à ce qu'ils passent. C'est quoi cette attaque planifiée comme de la merde? Allez, on les bute. Les saints ne se reposent jamais. Tranquille, encore 43 secondes, on en profite. Nous allons manquer de temps. Mais non, on a le temps. Allez, par contre, on les bute. Hop là, ça se pète. Il y a des unités qui se butent là. Hop. On y va. Toi t'es mort. Toi aussi. En avant. Il y en a un là encore. Ce monde m'appartient. Le gel éclair se termine. Ouais, mais il n'y a plus personne. On y va, on pète les pylônes. Attention. Ce monde m'appartient.
C'est chez moi maintenant ici. On vous a demandé quelque chose ? On y va. Alors, il nous faut plus de récolteurs. Il nous faut des chambres d'évolution. Il nous faut des récolteurs de gaz. Allez, on pète ce truc. Non mais franchement, tu leur expliques, tu leur dis que voilà, tout ce qui t'intéresse maintenant, c'est de buter Arcturus Menz, parce que c'est de sa faute que t'es devenu la reine des lames, et qu'il n'y a pas de problème maintenant que t'es pleinement consciente, tu vas sûrement pas essayer de buter des Protoss. Que tu aimes beaucoup les Protoss, attention! Enterrez-vous! On a perdu un cafard dans l'affaire. Finissons-en. On achève le truc. On y va, on y va. Dans quelques instants, il y aura un gel éclair. 20 secondes. Même si vous détruisez nos flèches, nous informerons Jacquois. C'est ce qu'on verra. Ils vont vite ces merdes. Hop hop hop. Salut. Non, je déconne. Aïe. Ça aille. Gel éclair est sur nous. Aïe, donc on est. De notre avantage. Détruisez les Protoss. On est ralenti. On vous a demandé quelque chose ? Bon, 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 bon. Alors, chambre d'évolution, hop, hop. On a besoin de 3 drones là. On a besoin de plus de drones là. Ah, plus de dominants. Plus de dominants. Ok, on va en faire plus de dominants. Là, c'est bon, ça avance ? Allez, allez, on pète ça. Encore 10 secondes. C'est pas énorme, mais bon. Le gel éclair se termine. Vas-y, achève-le. Voilà. Au moins, ils reviendront plus ici. Ils savent que c'est chez nous, maintenant. Ce monde m'appartient. Ça sent les Ursadons, là. Attention. En avant. Hop là. Allons-y. Il y a encore beaucoup. Ne peut me faire obstacle. Ouais, il y en a pas mal. On va pas trop se presser, hein. C'est peut-être un petit peu dangereux, on n'a pas beaucoup de troupes encore. Plus 5, ça nous fait 22, 23, 24, on est bon. Maintenant, on va pouvoir faire du cafard. Oui. Proto s'en approche. Ouh. Allons-y. Ah, c'est pas bon ça. Ouais, sûrement. En attendant... Oh, où on prend cher. Kerrigan, décolle. Nous allons manquer de temps. Qu'y a-t-il maintenant ? 40 secondes. Finissons-en. On peut faire des cafards, hein ? Oui. Allez, on essaie de buter des trucs. Tempête de gel éclair bientôt en approche. Allez. Et merde. Encore 15 secondes à tenir. Sors, toi, attirez. Vas-y, fais-les bouger. Ton sacrifice ne sera pas vain. 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon. Une tempête de gel éclair nous frappe. Ah oui, puis les Ursadons, ils en profitent. Attention. En avant. Attention, il y a de l'Ursadon là. Kiri, recule. C'est dangereux ces merdes. Oui. Nous allons manquer de temps. Repli. Hit and run. Enfouissement. Merde, ça lui fait pas partir. Allons-y. Kerrigan, enfouis-toi. Toi, enfouis-toi. Ok, je crois qu'on a réussi. La tempête de gel éclair est en train de disparaître. Ouais, on en a pas beaucoup profité cette fois-ci, hein. Oui. Il va nous falloir des... Oui, je vais en faire des dominants. Il va nous falloir plus de reines pour soigner nos unités. Voilà, on commence à avoir des troupes. Oh, il y a du Protoss en approche. Finissons-en. On va leur faire une petite surprise. Hein, les petits Protoss. Ça vous tente une surprise? Vous aimez ça les surprises, non? Coucou! Surprise! Aïe. Tu m'as tué un cafard. Saleté.
Bah, vous allez pouvoir soigner les bâtiments normalement. Non, ça marche pas. Vas-y, va soigner. Dans quelques instants, il y aura un gel éclair. On s'en fiche, on va taper des Ursalons là. Ma reine, atteindre les objectifs bonus accroîtra votre niveau de puissance. Impeccable. Essence de matriarche utile. Augmentation de la visibilité durant le gel éclair. Super. Le gel éclair est sur nous. C'est bien. On y va, on en profite. Allons-y. On a 40 secondes pour faire le ménage. Il y a du protos à péter là. En avant. Allez. Tapez tout. Exterminez-les. Les saints ne se reposent jamais. Nafash, je n'avais vraiment pas espoir de te retrouver en vie. Et là. Les protos nous revaudront ça au centuple. Oh, ouais, c'est une reine Zerg, tu t'en fous, elle t'aurait fait chier si elle avait été encore vivante. Le gel éclair est en train de passer. Oups. Peut-être pas le moment d'attaquer alors. Vous allez me faire des petites tumeurs muqueuses de plus, là. Qu'on puisse couvrir le terrain restant. Donc, Nafash est morte. Bon. Bah, tant pis, hein. Ça fait toujours une concurrente de moins, je suppose. Donc toi tu retournes en haut, toi tu pars vers notre base. Voilà. Ah, attention. Oh, il y a de l'immortel là. C'est lui que j'aurais dû buter avec mon sort. Crachez le morceau. Nous allons manquer. Vous ah, mais il y en a encore ici. En avant. Allez. Voilà, assaut repoussé. Donc, toi. Tu vas poser ton mucus là-bas. Toi, tu vas le poser là-bas. Et ici, on a fait le tour. Impeccable. On va pouvoir se faire une base de plus. Pour ça, il nous faut... Hop. Dans quelques instants, il y aura... Ah merde, j'ai fait du zerging. Je voulais faire du cafard. Bon, c'est pas grave. Allons-y. 22 secondes pour rejoindre une base Protoss. Dès le début du jet éclair, tu vas lancer ton truc. 8 secondes. Non, ça c'est les Ursadons, on s'en fout, on va attaquer du Protoss, nous. C'est parti! La tempête de gel éclair est sur nous. Aïe! Hop là! ils vont dans notre base, ceux-là. Attention là! Attention les Ursadons! C'est pas très gentil de nous attaquer! Non! Et merde. Ça va pas le faire. Les saints ne se reposent jamais. J'espère qu'on va avoir des renforts qui arrivent vite là parce que sinon ça va pas être bon. Allez cafard, c'est bon. En avant. On a de quoi les occuper. Le gel éclair se termine. Merde, cassez-vous. Les morceaux. Cassez-vous. Parlez. Non. Vite. Finissons-en. Pétez. Oui. Nous allons manquer de temps. Allez, un petit effort. On pète ses unités, il y en a là aussi, il y en a en bas. Qu'y a-t-il maintenant ? Allons-y. Ah, il y a du monde là. Allez-y. Finissons-en. Bon. On a fait le ménage. Donc normalement on a 3 drones qui vont partir ici pour faire ça et ça. Vous avez toute mon attention. Allez, on a des Ursadons à péter là. C'est parti. En avant. Il y a de la ressource en plus. On en profite. Personne ne peut faire obstacle. Fin de l'assimilation de l'essence de matriarche. Adaptation parfaite de l'essaim aux tempêtes de gel éclair. Dans quelques instants, il y aura un gel éclair. Super, personne on est prêt. On est prêt, dans 20 secondes on y sera, pas de soucis. Oups. Je pense pas que Canon à Photon soit d'accord. Oh, il y avait des... J'ai l'éclair. C'est parti. On s'installe en plein milieu et on tape. Allez, hop là. Faut buter un maximum d'unités là.
On fait des dégâts, on bute des unités, on y va. Allez-y, faites des dégâts là, 30 secondes. 30 secondes pour réduire leur capacité défensive à fond. Je crois qu'on a réussi. On vous a craché le morceau. Alors vous, vous allez me faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le gel éclair est en train de passer. Oui, mais c'est pas grave, on a fait le ménage, il n'y a plus rien. Plus qu'une. Ça ne sert à rien, Kerrigan. Bah si, tu veux nous buter. J'aurais tendance à dire oui, mais c'est pas ma faute, mon petit Protoss. Si vous vouliez parler un petit peu, là, hein, on pourrait vous dire que c'est pas la peine. C'est pas la peine de s'affronter comme ça. Ouh, il y a des Ursadons. C'est pas la peine, on a déjà fait le ménage, les Ursadons, rentrez chez vous. Il y a du Protoss en approche, là. Il y a du propro en approche, attention. L'essaim est affamé. Allez, retenez-les, les renforts arrivent. C'est bon. En avant. Bon, je crois que c'est tranquille. Vous avez commencé à récolter là-bas. Nous, il nous faut plus de cafards. Le gel éclair sera bientôt sur nous. On va essayer d'en profiter un petit peu. On vous a demandé quelque chose ? Plus de reines dénuées, là, c'est des reines dénuées, des couvées, des machins. C'est pas trop mal, là, j'aime bien. C'est assez efficace. Vous avez toute mon attention. Alors là, il y a quelques Ursadons. La tempête de gel éclair est sur nous. Ah, c'est des cafards. Allez, file-nous des cafards. Alors c'est quoi comme effet? Vitesse d'attaque augmentée de 25% pendant les tempêtes, c'est génial ça. Nous allons manquer de Par contre, faut vous grouiller. Allons-y. Allez, allez, un petit peu de ménage. Finissons-en. Oh non, encore 22 secondes. On y va, encore 8 secondes. Fait un maximum de dégâts. Oh, il y a du colosse là. Oh, c'est pas bon. On va se faire griller, on se replie. On se replie, c'est trop dangereux. Repli, repli. Ah. Oui, je sais que mes troupes sont attaquées, c'est une vraie merde. Il y a du colosse là, faites gaffe. Un colosse de moins, deux colosses de moins, c'est bon. Attendre un gel éclair pour attaquer cet emplacement fortifié. Bah ouais, je sais, je sais. Il vous faut du Zerging. C'est ça qu'il faut pour aider. Pour avoir un truc plus mobile. Oh. Tant pis. Les saints ne se reposent jamais. Allez, on pète quelques bâtiments. On se regroupe. Personne dégage. Ne peut faire obstacle. Finissons-en. Nous allons manquer de temps. Parlez. Le gel éclair sera bientôt sur nous. Oui, je sais, c'est pour ça, on se prépare. On se met en position. On essaie d'en profiter un maximum. Là. Se repose jamais. Allez, allez. On est pas loin. Nous allons manquer de temps. 5 secondes. L'estin ne se repose jamais. C'est bon. Allez, on va essayer d'emmener des airings en plus, mais là on est bien. Normalement, au cours de ce gel, on devrait être capable de tout raser. Nous allons manquer de temps. Personne ne peut me faire obstacle. Voilà. On vous a demandé quelque chose ? On y va. C'est la fin, c'est votre fin, les Protoss. Vous ne voulez pas discuter ? Tant pis pour vous. Voilà, il n'y a plus rien. C'est fini. Bye bye les Totos. Les flèches sont tombées. Battez en retraite. L'expédition Protoss ne pourra pas contacter Chakuras.
Maintenant, ils vont devoir compter avec nous. Victime de Kerrigan 68, troupe ennemie tuée 280. Voyons voir les achievements. Détruire 20 bâtiments ennemis dégelés dans la mission Moisson d'âme. On en a fait 16. Bon, il faut le faire exprès, quoi. Faut être pas logique et attaquer pendant la journée, entre guillemets, aussi. Bon. Et réussir la mission en moins de 15 minutes. On l'a fait en 26. Donc, au niveau achievement, on n'est pas du tout bon. Mais j'ai l'impression que plus dans Heart of the Swarm, il faut plus se préparer à les faire, les achievements. Ils sont mieux... Ils sont plus spécifiques, ils sont moins intuitifs. On va voir si ça se confirme sur les autres missions, mais là c'est l'impression que ça me donne là, comme ça. À chaud. Nous avons fait une captive dans les étendues désertiques que nous avons neutralisées, ma reine. Elle affirme être une chercheuse. Elle est plutôt mignonne. Je ne vous ai pas donné l'ordre de faire des prisonniers. Abatur l'a réclamée. Il veut la disséquer. Quel intérêt ? Il n'arrivera pas à utiliser du matériel génétique Protoss. Il aime bien essayer. En fait, garde-la en vie pour le moment. Je lui trouverai peut-être une utilité plus tard. Ma reine, votre alcôve est désormais accessible. Vous pourrez y modifier vos capacités. Ok, on va regarder ça. D'abord, couveuse. La couvée de Nafash vit à nouveau dans les seins. Quand les protos sont frappés, elle s'est repliée vers les positions prévues dans les vallées gelées. Les protos ont dû la traquer. Normal. Elle a été maligne, prudente et tenace. Mais elle a fait une erreur. Elle s'est enfuie. Non, c'est juste que les protos ont été trop bons pour elle, c'est tout. Comment se passe la traque, ma reine ? Elle est sanglante. Ces protos vous tueront s'ils en ont l'occasion. Ce ne sont pas des ergues, ce qui veut dire qu'ils sont nos ennemis. Est-ce si simple ? Pour les ergues, oui. Quoique ma reine ait perdu, pensez à ce qu'elle a gagné en retour. La purification de l'essence. Vous êtes la volonté de l'essaim. Bonjour, Eazara. Désolé de devoir en arriver là, mais vous et Protoss, vous ne voulez pas discuter. Nous étudions cette lune pour voir si sa rotation peut être modifiée et son climat amélioré. Vous comprenez, nous ne sommes que des colons et vous nous tuez. Oui, et si je vous laisse vivre, vous appellerez votre armada dorée qui me tuera. Massacrer des milliers de gens pour votre seule survie, c'est comme ça que vous vous justifiez. Je ne justifie rien. Personne ne peut se poser en donneur de leçons ici. Votre peuple a tué des milliards de zergs. Nous avons tous du sang sur les mains. Il y en a peut-être plus sur les miennes. Mais au final, nous sommes toutes les deux des assassins. Je sais pas si je suis d'accord avec ça. Partiellement, j'aurais pas cité les milliards de zergs tués en exemple. Étant donné qu'ils ont un esprit commun, bon, buter un zerging, un cafard, on s'en fout un peu, quoi. Mais les protos sont quand même du sang sur les mains. Bon, fausse dévolution. La voiture, des trucs à dire. D'où vient ce bruit ? Échec des expériences. Réincorporation biomasse. Processus lent. Tu pourrais au moins mettre un terme à leur souffrance avant. Effort gaspillé. Créature bientôt morte. Douleur pas pertinente. Quand tu dis ce genre de choses, Abatur, je parviens presque à me souvenir de toi. Et je ressens de la colère. Non, mais il est tout mignon, Abatur. De l'adrénaline, réponse au stress, menace imminente. Pas de menace pour vous, pas de colère. C'est moi qui en jugerai. Il est tout mignon. Alors, les cafards, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ces cafards ? On a la bile hydriotique qui augmente les dégâts de 8 contre les unités légères, plus 50% contre les unités légères, c'est pas mal. Sinon, armure adaptable, armure augmentée de 3 quand les points de vie du cafard sont inférieurs à 50%. Sachant qu'il commence, je crois, avec une armure de 1, j'ai un petit doute là-dessus. Peut-être qu'il commence sans armure, en fait. Bon, c'est pas mal.
Et sinon, le cafard peut se déplacer à pleine vitesse en étant enfoui, taux de régénération de vie augmenté de 100% lorsqu'il est enfoui. Ça demande beaucoup de micro-gestion. C'est intéressant, mais ça demande beaucoup de micro-gestion. On va dire augmentation des dégâts contre les unités légères pour l'instant. Ça ira très bien comme ça. Ensuite, allons voir Kerrigan. Il s'agit de votre alcôve personnelle. Vous pouvez y reconfigurer vos voies neuronales pour modifier vos capacités. De nouveaux pouvoirs deviendront accessibles lorsque vous gagnerez en puissance. Vous pouvez venir réorganiser vos capacités actives ici quand vous le souhaitez. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on fait des missions, et en particulier des objectifs secondaires, Kerrigan gagne des niveaux, donc elle gagne des PV, des dégâts et des capacités. Donc on a nos deux capacités connues, là, la rafale cinétique et la pointe broyeuse. Et on peut changer rafale cinétique contre vigueur héroïque, plus 200 PV et plus de régénération. Oui. Et alors, étourdissement des ennemis, on peut échanger avec l'attaque normale rebondie, inflige 10 points de dégâts à chaque cible supplémentaire, c'est pas mal. C'est surtout cette capacité-là qui est intéressante. Les 300 points de dégâts à une cible particulière, c'est très utile contre... Oh, quoique... Alors les deux sont utiles. On va garder ces deux-là pour l'instant. Il est possible qu'on change par l'avenir, quand on aura d'autres compositions, mais pour l'instant c'est pas mal. Ça, c'est très bien contre les Terrans pour péter les chars de siège, ce genre de choses. Ça, c'est pratique pour choper un groupe d'unités et les immobiliser pendant que nos unités font le travail. Mais c'est un peu moins important maintenant qu'on a des airgings rapides, en fait. Bon. Eh ben, on va pouvoir arrêter là. C'était le cafard critique pour un petit peu de Let's Play StarCraft 2. J'allais dire Wings of Liberty, absolument pas. Heart of the Swarm. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, le partager, le commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de la suite de Kaldir. Bye!